You've become a serial entrepreneur at 60. Yeah, I turned 60. Yeah. Is that a good time to start a business? We hear about all these young entrepreneurs. Well, what am I going to do, play golf? No. You could. Bobby Brown, CEO à 60 ans, 2 millions de chiffres d'affaires en dollars, 9 livres sur le cosmétique. Elle est répandue partout. Cette interview m'a bluffée. Vous savez quoi? On lui pose la question, pourquoi est-ce que c'est à 60 ans qu'elle a pensé à se lancer dans le business? À 60 ans, elle s'est lancée. Vous savez ce qu'elle répond? Elle dit, mais quel était le meilleur âge? C'est ce que j'appelle mindset. C'est ce que j'appelle changement de mentalité. Je connais des milliers de femmes, des milliers d'hommes. À 60 ans, ils estiment que leur vie est finie. Ils estiment qu'eux, ils sont bons pour la retraite. Eux, il faut les déposer. Il ne faut rien leur demander. Alors, quand tu écoutes Bobby Brown, cette femme, elle est dans le business de cosmétiques. Elle a rempli toutes les grosses chaînes européennes et américaines de ses produits. Cette dame-là, c'est à 60 ans. Elle a dit qu'à cet âge-là, elle avait déjà fini de faire son foyer. Ses enfants étaient grands. Tout le monde est parti, en train de devenir grand-mère et tout. Elle s'est dit qu'au lieu de jouer au golf, le monde, il a changé par rapport à son époque. Aujourd'hui, tout le monde va sur les réseaux sociaux. Elle voit les entrepreneurs. Elle s'est dit, pourquoi pas? Elle est partie sur les réseaux sociaux. Et puis, bim, bam, boum, elle a eu des idées. Elle a commencé à lancer. Et puis, voilà, son produit a pris partout, partout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Elle a changé de paradigme. Elle a changé de mentalité. Et c'est ça la clé et c'est ça le problème. Beaucoup de choses ne changent pas dans ta vie parce que tu es en mode paradigme bloqué. Tu as une paralysie. Tu es convaincu que tu es trop vieille pour te marier. Tu es trop vieille pour lancer un business. Tu es trop vieille pour ces affaires-là. Tu es trop vieille pour ça. Tu te sens vieille, fatiguée. Or, tout se passe dans la tête. Si tu te dis que tu es vieille, mais tu ne feras rien dans ta vie. Tu sais quoi? Ça m'a rappelé Lady Sonia. Lady Sonia, c'est à 40 ans qu'elle a décidé de changer sa destinée. Je suis repartie à l'école à 40 ans. Je n'aurais jamais pensé que Dieu prévoyait un empire pour moi. Me voir CEO un jour, c'était pas dans ma mindset. Mais dans ma mindset, something was supposed to change. Je voulais que quelque chose change. Et quand, à 44 ans, le Seigneur m'a dit, il est temps pour toi de te lancer. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris tous mes bijoux, toutes mes économies, j'ai vendu. Et je suis allée ouvrir ma SAS de coaching. Et vous savez quoi? En Europe, ici, là, j'ai travaillé 5 ans que mon entreprise existe. Dernièrement, quand Forbes a contacté pour dire, oui, nous avons vu passer ceci, cela et tout, j'ai dit, yes, Sonia, tu as fait la chose. Pourquoi? Parce que j'ai changé de mentalité. Si c'était vous, tu allais te dire, ah, moi, à 40 ans, qui va me vouloir encore? Moi, je suis vieille. Est-ce que moi, à 40 ans, je peux même aller sur les réseaux sociaux? Moi, là, c'est moi m'asseoir sur les réseaux sociaux et puis suivre les buzz, les polémiques, alors que les gens se font des millions. Ils créent des empires sur les réseaux sociaux. Les gens viennent avec des visions différentes parce qu'ils changent. Il faut changer de mentalité. Ce que tu t'es toujours dit que ce n'est pas possible, je suis venue te dire que si tu le veux, tu le peux, ça deviendra possible. CEO à 60 ans, 2 millions de dollars, ma soeur. De quoi est-ce que tu me parles? Va chercher business, changer ça là. C'est de ça qu'il s'agit. On avance.